Bienvenue à tous. Welcome to Reporters here on France 24. I'm Marco, and in this edition, delays getting an appointment, lack of specialist care, the shortage of doctors across France has become a real talking point in this presidential election campaign. North of Paris, the department of Saint-Denis, where the Stade de France is situated, has one of the most severe problems, just 59 doctors for 100,000 people. Doctors, that's GPs. Even with a plan to speed up the process of becoming a doctor, this isn't a situation that will be solved anywhere near the election in April. Perhaps not even in the next decade. Claire Paccalin, Pauline Godard have been on a medical tour de France to take the temperature of a country short of doctors. Cabinet médical Henri Dunant. Bonjour madame. Oui, qui est déjà venue chez nous? Aujourd'hui, non, c'est pas possible. Non, j'ai plus de place du tout. Monsieur madame Amada, votre douleur, elle est surtout à gauche, là. Plutôt la bouche? Tu tires la langue? Cabinet Henri Dunant, bonjour. Elle a des boutons. Elle a de la fièvre? Donnez-moi sa date de naissance. C'est OK? Très bien, je vous bloque. À midi, demain, avec monsieur Boulestro. Depuis ce matin, j'ai raté 52 appels téléphoniques. Ça peut être des personnes qui appellent plusieurs fois, mais c'est quand même très frustrant de se dire qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à nous joindre. Mais on est au maximum de ce qu'on peut donner. Hein. This doctor is 71 years old. He's one of 12 retired doctors running this surgery. Pensioners who've chosen to carry on practicing to make up for a severe shortage of doctors. They each work one day a week. Bah, heureusement, encore qu'il y a encore des retraités qui veulent bien continuer à travailler un peu, parce que je sais pas comment les gens y feraient. Hein. Moi, c'est ce que j'avais dit à la pharmacie, bah, elle me dit, faut... bah, je dis, bah, si j'ai plus rien, comment je fais, moi? J'arrête tous les traitements, puis c'est tout. Hein. Bah. We're in Laval, the capital of the Mayenne department. It's what the French call a medical desert. Here, there are only 65 general practitioners, or family doctors, per 100,000 people. The national average is 89, but it's 125 in some departments in the south. Trouver des médecins ici, c'est la vraie galère. Ouais. J'ai fait tous les médecins que j'ai pu, Loiron, Saint-Bertin, Changé, Laval, impossible. Et vous, vous habitez où alors? Port-Brié. Port-Brié, c'est à combien de kilomètres d'ici? 18 kilomètres. Keen to keep active during his retirement, Dr. Héroux was among those who started the project 5 years ago. He tells us why he decided to get on board. C'est le fait de se dire, bah, on est encore capable de faire quelque chose. Hein. On a un métier qu'on a aimé et ça fait plaisir de continuer à le faire. Je dis toujours, on est un peu des drogués de la médecine. Hein. Et puis la deuxième raison, bah, c'est de dire on va rendre service. Hein. Bringing doctors out of retirement was supposed to be a temporary solution, but 5 years later, they're in demand. With 4,400 registered patients, there are no plans to close the surgery's doors anytime soon. Two retired doctors and an intern consult every day. Donc du coup, je m'appelle Timothy Benom, je suis l'interne du docteur Héroux qui est juste à côté. Okay, je vais commencer la consultation, il nous rejoindra à la fin. Okay. Donc ce qui vous amène à la fièvre, c'est ça? Oui, depuis hier matin. It was a relief for Gail when she managed to book this last-minute appointment for her 3-year-old. They moved to Laval 6 months ago, and she still hasn't found a doctor to register with. J'ai dû appeler la première fois une quinzaine de cabinets. C'est clairement une problématique où on dit quand même sur une grande ville comme Laval, on devrait trouver un médecin puisque c'est pas une toute petite ville et en fait non, c'est un vrai problème. Donc pour moi c'était, enfin, on en parle à la télé et pour moi c'était, enfin, je pensais pas que ça pouvait nous arriver de ne pas trouver de médecin comme ça. For Dr. Héroux, helping to train the next generation of French doctors is essential. Alors, c'est pour Clara qui vient pour de la fièvre depuis hier. Elle a vomi que sur les pics de fièvre. Sinon, elle nous a dit qu'elle avait mal sur les côtés hier. Ça a plus mal aujourd'hui. Le contact avec les jeunes, ça nous permet en effet d'assurer la suite de l'exercice de la médecine générale. Et puis, bah, eux, ils apportent un petit peu les choses nouvelles une nouvelle recommandation, parfois des nouveaux traitements. Et nous, on leur apporte notre expérience. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. We leave Laval and head to another medical desert, this time in the east of France. The Orbe department, where there are only 69 doctors for 100,000 people. 4 doctors practice in the town of Nogent-sur-Seine, but it's far from enough. So, 3 years ago, the town council opened a telemedicine surgery. Tiens, tu montes là, mon chat? Bonjour, madame. Mesdames, mademoiselles. This is more than a simple video appointment. Marion, a nurse, helps the doctor working in the nearest city to remotely examine his patient. Oui, les patients sont rassurés parce qu'il y en a beaucoup qui me disent mais comment je vais faire pour que le médecin puisse entendre mon cœur, qu'il puisse entendre mes poumons. Et je sens vraiment qu'ils sont rassurés que je sois là parce que je peux les guider. Et puis je suis un petit peu... J'aide le médecin, donc... Ok, c'est parfait. Tympan et moi aussi, parfait. Ok, les tympans sont bien. Au début, j'avais pas trop confiance parce que je pensais pas que tout était connecté. Je pensais que, voilà, on disait ce que l'enfant avait et qu'on se fiait juste aux symptômes sans voir vraiment. Et là, voilà, en voyant la gorge, tout est connecté, donc c'est quand même plus rassurant. Par exemple, solution de secours, c'est super. Bon, après, je préfère voir le médecin traitant, c'est sûr. Mais voilà, là, la petite, il lui fallait des médicaments à tout prix, donc voilà, c'est top. Mais normalement, ça devrait être dans le bon sens et que ça devrait aller dans... D'accord ? D'accord, merci. On fait comme ça. Allez, bonne fin de journée, madame. Merci à vous également. On the other side of the screen are Dr. De Villard and Dr. Goudour. When they were working in a local hospital, they noticed that more and more people were coming for treatment because they couldn't get an appointment with a doctor. So they set up a telemedicine company to relieve pressure on the emergency services. On a des remerciements réguliers, mais aussi on a une certaine amertume des patients aussi de devoir être soignés comme ça à distance par un médecin. Parce que eux, ce qu'ils préféraient forcément, c'est d'avoir un médecin physique et on leur fait bien entendre que nous, on est là de façon provisoire, le temps qu'ils retrouvent un médecin traitant et le temps que quelqu'un soit intéressé pour revenir sur le territoire à partir du moment où il y a un renfort qui peut les assister, en fait. Vous allez faire votre prise de sang, prenez... C'est bon pour moi. They treat patients in 70 telemedicine surgeries exclusively in the east of France. On va co-construire avec le médecin généraliste, avec le cabinet d'infirmiers, avec le pharmacien, avec les kinés, avec vraiment tout ce petit écosystème du territoire, du village à l'échelle de la commune, hein, généralement, ou de la communauté de communes si c'est assez réduit. On va construire un vrai projet médical qu'on va écrire ensemble et puis dans lequel vont être décrits tous les process d'accès à cette téléconsultation, la prise de rendez-vous, les heures d'ouverture, qui va assister le patient. Medical deserts are not just a problem in the countryside. Just outside Paris, the Seine-Saint-Denis department is particularly hard hit. There are just 59 family doctors for 100,000 people, one of the lowest rates in the country. In the suburb of Livry-Gargan, 6 doctors have retired and not been replaced in the last 2 years. Comment allez-vous, Madame Villers? Soon, it will be Dr. Royland's turn. He keeps pushing back his retirement, but he's decided now. He'll hang up his stethoscope for the last time in June this year. He will have spent 43 years tending to patients in Livry-Gargan. Voilà, ça va. Ça vous plaît? Il faut bien aussi qu'il reprenne sa retraite, malgré tout, quoi. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un d'autre? Bon, on essaye de trouver. Est-ce que ça vous inquiète, madame? Bah oui, un peu, parce que comme maintenant, il y a beaucoup de docteurs qui ne veulent plus venir à domicile, et comme moi, j'ai quand même des difficultés à marcher. Quand vous avez un docteur qui vient à domicile, c'est quand même plus pratique pour vous, quoi. Hein? On ne sait pas ce que c'est de vieillir. Oh, vous êtes jeune, madame. Oui, je voudrais bien. Voilà, c'est 92 ans cette année. Oui. C'est ça, hein? Madame, oui, oui. Très bien. Ma fille l'a pris quand même. Le problème ne va pas se changer en si peu de temps. On sait très bien qu'avec l'histoire du numerus clausus qui a été fait il y a de nombreuses années, on n'a pas recruté suffisamment de médecins. For more than 40 years, the numerus clausus system limited the number of students who could enter their second year of medicine. As France's population grew and aged, demands on doctors increased, and in recent years, many have retired and not been replaced. On s'était battu à l'époque pour me dire que c'était une bêtise, cette histoire de numerus clausus, qui avait été inventée simplement par des technocrates dans ce cas-là, en disant il y a trop de consommation médicale, on va supprimer les médecins, donc on va supprimer la maladie quasiment, quoi. Alors qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas du tout ça. Emmanuel Macron abolished the numerus clausus, and in 2021, a record number of students entered their second year of medicine. But it's now up to medical schools to set their own intake quotas, and they can't double capacity overnight. And France will have to wait until at least 2030 for these students to finish their studies. On a peu de médecins qui s'établissent, hein, maintenant que c'est un désert médical. Hein. Et le fait que le docteur Royland va plus pouvoir à un moment vous suivre, ça vous... Ça m'angoisse. Ouais. Les gens me disent « Docteur, vous êtes encore au travail? Ça fait déjà 3 fois que vous dites que vous partiez à la retraite. » Et je repousse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est que ma meilleure façon de ne pas angoisser, c'est de continuer à travailler. Mais un jour, il faudra quand même 74 ans, il faudra quand même que je passe la main aux autres. Donc là, vous êtes en recherche active, et oui. Cette recherche active... Pour l'instant, ça ne donne rien. Non, sur la commune, c'est infructueux. Allez, donc je vous dis à bientôt, monsieur. À la prochaine. Hein, et vous m'appelez quand vous voulez. Hein. In the last decade, a quarter of family doctors in the Seine-Saint-Denis department have either died, retired, or moved away. Enfin, moi, je m'imaginais, en tant que médecin généraliste, vu les problématiques de démographie médicale, en fait, Coco, faut que tu t'installes dans une zone où il y a besoin, quoi, de toi. Mais du coup, ça prenait vachement de sens. D'être à Pantin, et puis après, boum, tout s'est embarqué, on s'est embarqué à Pantin. A year ago, this health centre was opened by 2 young doctors, Paul and Ilham, both freshly out of medical school. They wanted to work in a team to benefit from each other's ideas and advice. There are 4 full-time doctors, 2 speech therapists, a midwife, a psychiatrist, and a psychologist. Ça donne vraiment l'impression d'être à la maison. Moi, personnellement, je trouve qu'on s'y sent bien. Le fait d'être aussi avec des médecins jeunes, très à l'écoute. L'avantage de la maison de santé, c'est que, je sais pas, imaginons, moi, mes 4 ou 5 plages de rendez-vous d'urgence sont prises, bah, je peux peut-être quand même, on est 4 médecins ici, il y a les remplaçants, etc. Je peux dire, bah tiens, est-ce que, tiens, tu veux pas voir Aaron, il est pas bien, je suis blindé aujourd'hui. Ça a été du boulot, on a refait tout ça, mais en même temps, on se dit, bah, on est chez nous, on est bien, on a envie que... Ouais, ça fait un petit... C'est agréable, quoi. C'est notre ressenti, ça fait une petite maison médicale, mais familiale, quoi. Ouais. The project cost 1.3 million euros. Keen to encourage the young doctors to set up, the regional and town councils provided grants worth €500,000. And they got precious practical advice from the Union of Independent Doctors. Ah ben, je pense que juste on n'aurait jamais ouvert. Ouais. C'est vrai que c'est sur lesquels vous n'avez jamais été formé à la faculté. C'est-à-dire que, fort logiquement, on vous apprend la médecine. Non, bien moi, je me souviens très bien. On se... Jamais l'aspect architectural, l'aspect comptable, l'aspect financier... L'aspect juridique, monter les dossiers, tout l'administratif... Un médecin dans un territoire, c'est un ciment sociétal. Il va attirer des pharmacies, il va attirer des soignants, il va attirer de la population, des commerces, etc. Donc il faut encourager... Nous, on tient à ce que vous trouviez votre bonheur d'installation en restant dans la région. The union has accompanied 29 similar projects in Seine-Saint-Denis. But, like many others, Paul and Ilham's health centre is a victim of its own success. Là, ça fait 1 an qu'on a ouvert et moi, en tout cas, pour ma part, je me pose déjà la question de commencer à limiter les nouveaux parce que ceux qu'on a acceptés nous disent déjà, bah, pour les rendez-vous, les délais commencent à devenir longs. Donc, on essaie de réfléchir un peu comment on peut s'organiser pour... Training more health assistants, providing bigger grants or requiring young doctors to practice in areas of need These are all policies being pushed by candidates in the presidential election. Will the winner resolve France's problem of medical deserts? As president, it will be one of their major challenges. Claire Paccalin and Pauline Godard with that report. You can see it again, of course, on our website, france24.com. This is Reporters on France 24. Stay with us. Most of all, stay safe.